Les caméras seront braquées sur elle. Elle a 22 ans, Marion Maréchal-Le Pen. C'est la fille de Yann Maréchal, la sœur cadette de Marine Le Pen, mais c'est surtout la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Et c'est son grand-père, dit-elle, qui lui a demandé personnellement de venir se présenter ici, dans cette troisième circonscription du Vaucluse, la région du président d'honneur du Front National, mais surtout la circonscription où Marine Le Pen a fait son meilleur score le 22 avril des résidentielles, record national avec 31,5% des suffrages. Voilà pourquoi le FN mise sur ce parachutage. Elle est jeune, Marion Le Pen, mais elle n'est pas complètement novice. Elle s'était déjà présentée il y a 2 ans au régional en Ile-de-France et elle ne veut pas jouer les marionnettes. C'est d'ailleurs le sobriquet que lui a déjà donné son principal concurrent, le député UMP sortant Jean-Michel Ferrand, qui se représente ici. Remporter cette législative pour le FN aurait valeur de symbole, car ici, il y a Carpentras dans cette circonscription. Et souvenez-vous, il y a 30 ans, eh bien, une trentaine de tombes juives dans ce cimetière de la ville avaient été profanées. Pour Jean-Marie Le Pen, ce serait laver l'affront que de gagner ici.